Hello, c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Et oui les amis, je vous avais dit qu'il allait avoir de la nouveauté. Alors j'ai commencé avec ma série sur mes résultats de trading où je partage justement mes résultats avec vous en fait tout simplement au fur et à mesure. Donc chaque semaine je sors une nouvelle vidéo et je vous montre en fait mes résultats. Et justement quand je trade le BTC USD, ça fait un petit moment aussi que je suis dans la crypto-monnaie. Et j'ai décidé que j'allais vous partager en fait des news sur la crypto-monnaie, la cryptosphère, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça va être un nouveau format de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, parce que là franchement je voyais du lourd. Donc on a les résultats trading, on a les crypto news et ensuite on va avoir aussi le crypto talk. Vous allez voir, c'est une émission que je vais faire avec justement un pote à moi qui est trader. Mais voilà, vous ne tracassez pas, ça va venir très bientôt. Mais avant de commencer, si vous êtes intéressé justement par faire de la Wi-Fi money, de gagner de l'argent en ligne, et en l'occurrence ici avec le trading, n'hésitez pas à regarder dans la description. On a mis en place avec mon associé une formation qui vous apprendra justement les bases du trading sur le Forex, parce que comme ça vous pourrez vraiment apprendre à trader. Et vous aussi pourrez gagner de l'argent sur les marchés financiers. Allez, c'est parti, on va regarder justement ici. Donc on est sur le site CryptoToast, donc je vous mettrai de toute façon dans la description le lien de l'article, il n'y a aucun souci. Alors c'est vrai que je m'y prends un petit peu plus tard, mais vous savez bien, il faut que le temps que le train se mette en marche, hein, sans jeu de mots, vous connaissez la référence. Mais voilà, je vais commencer à vraiment mieux m'y mettre ici. J'ai mis mon bon setup et on va être parti les amis. Je vais vous balancer la sauce, vous tracassez pas. Alors on va parler de Binance. Donc Binance abandonne les produits dérivés et le double investissement. C'est très important. Donc ça c'est pour les clients français évidemment. Donc on va le voir ici. Donc Binance abandonne les produits dérivés en France dès le 2 août 2022. Donc très important les amis, donc dans pas très longtemps. Les Français ne seront plus autorisés à ouvrir de nouvelles positions. La plateforme d'échange de crypto-monnaies explique vouloir se conformer aux exigences des régulateurs. Donc c'est très important. On va lire la suite. Alors, Binance interrompt son offre de produits dérivés en France. Donc Binance vient d'annoncer l'abandon des produits dérivés en France. Très important, ça va suivre. Dans un mail adressé à ses utilisateurs, l'exchange des crypto-monnaies précise que les futures options token à effet de levier et double investissement sur Binance Earn ne seront plus disponibles à partir du 2 août 2022. Donc, c'est-à-dire que les trades à effet de levier, hein, beaucoup de traders utilisent Binance Future pour pouvoir justement gagner de l'argent sur le marché financier, en l'occurrence sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, à partir du 2 août, ce sera terminé. Alors, dès cette date, les clients français ne seront plus autorisés à augmenter ou à ouvrir de nouvelles positions. Binance précise que vous pourrez remplir votre solde sur marge pour éviter les appels de marge et les liquidations. De même, l'interface permettra toujours de racheter, fermer ou réduire toutes les positions déjà ouvertes. Alors voilà, Binance adapte son offre pour plaire aux régulateurs. Donc voilà, tout est une question de régulation et se mettre en règle en fait ici. Donc voilà, donc dans le mail adressé à ses usagers, Binance explique adapter constamment ses offres de produits et services pour se conformer aux réglementations locales. Depuis l'an dernier, l'exchange de Shenpeng Zhao est en effet la cible de régulateurs du monde entier. Sous la pression des autorités, l'entreprise a été contrainte d'adapter son offre dans une pléthore de pays. Effectivement les amis, quand on grossit, quand on devient vraiment une grosse entreprise, parce que Binance fait partie des gros, des énormes sur le marché, ils ont des pressions des pays et donc bah, voilà, ils doivent se mettre en place hein, pour que ça fonctionne quoi. Donc l'été dernier, Binance a notamment été obligé d'abandonner les produits dérivés dans 3 pays européens. Donc l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. L'exchange avait laissé entendre que cette mesure sera rapidement étendue à toute l'Europe. C'est vraisemblablement ce qui est en train de se passer. D'autres pays européens devraient donc bientôt se retrouver privés des contrats futurs sur Binance. Ce qui est vraiment un leurre, hein. C'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est… On trade là-dessus, hein. Ok. Donc pas moi, je vais vous expliquer après, mais voilà. Beaucoup, beaucoup… Moi, j'ai beaucoup de potes à moi qui tradent sur Binance, sur futur de Binance. C'est très malheureux ça par contre. Donc cette annonce survient quelques semaines après que Binance ait obtenu son enregistrement en tant que PSAN. Donc ça aussi ça fait pas mal de bruit. Donc ce qui était une bonne nouvelle auprès des autorités des marchés financiers, donc l'AMF. Désormais régulé en France, l'exchange s'était engagé à faire évoluer son activité dans l'Hexagone. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce que j'en pense? Alors moi les amis, pour ceux qui suivent ma série, qui sont abonnés, qui suivent ma série sur mes résultats de trading, moi vous savez bien que je trade sur le Forex. Donc je trade la paire BTC-USD sur le Forex, sur mon MT4. Donc je ne vais pas être impacté directement par cette décision là. Maintenant pour ceux qui tradaient sur Future, vous avez encore d'autres possibilités. Là vous avez KuCoin, donc voilà, j'ai un lien qui est dans la description. Si vous voulez passer par KuCoin, vous pouvez aussi utiliser du Future, donc il n'y a pas de souci. On peut utiliser le Forex, mais aussi je pense Bybit, je pense qu'il fait ça aussi. Donc voilà, il y aura toujours des solutions les amis, ne vous tracassez pas, il y aura toujours des solutions. Maintenant, est-ce que c'est grave vraiment? Je pense que non, justement c'est une bonne nouvelle par rapport à Binance, par rapport aux régulations. Moi je trouve ça bien. Maintenant, effectivement pour le futur, c'est moins bien pour le trader particulier. Mais bon, voilà. Moi par exemple sur Binance, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore?
Bah les amis, c'est de l'investissement, ce sera plus de l'investissement maintenant, voilà, sur le portefeuille spot. Voilà, on va acheter, on va attendre, puis on revendra. Mais on ne pourra plus vraiment aller avec des effets de levier, etc. Donc voilà, c'est dommage. Binance, c'est une plateforme que j'adore. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas encore impacté ici. Voilà, c'est vraiment pour les Français. Comme vous avez vu, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et maintenant la France à partir du 12 août 2022. Donc pour les Français, pour mes amis français, voilà, vous avez des autres possibilités. Hein. Quand je dis, voilà, il y a KuCoin, il y a Bybit. Et vous avez aussi pour trader le BTC/USD, bah vous avez le Forex comme moi je fais. Moi j'utilise PubPrime, donc le lien aussi est dans la description. Et voilà, on verra bien un peu ce que ça va donner, mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. On va dire ça, d'accord? Et de toute façon, à chaque problème, il y a sa solution. Donc voilà, ne vous tracasse pas. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision de Binance. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est quelque chose de vraiment grave ou pas? Alors avant de vous quitter, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Il est dans la description. Mon Telegram personnel pour me poser des questions se trouve aussi dans la description. Je pense que j'ai tout dit. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.